Waouh, la cellule! On pique les clés et on se taille. Moins fort, tu vas nous faire repérer. Arrête, chat, Avril. Une sonnette à l'intérieur, c'est idiot. Enfermez-les dans leur cellule et mettez-leur les boulets. Avril, la prochaine fois, fais-moi penser à te laisser dormir. Jeune homme svelte, emploi stable, cherche jeune femme polie, économe, aimant l'ordre et la vie en communauté. Le directeur a passé une petite annonce. C'était sur son bureau. Ça me donne une idée. Monsieur le directeur, une visite pour vous. C'est votre annonce. Peabody, Melvin Peabody, directeur de pénitencier. Et vous? Samantha! Samantha Big Pot! On vous a déjà dit que vous aviez un air de Dalton? Les Dalton? J'adore! Surtout Joe! Il a l'air si intelligent. Vous voulez parler du petit teigneux? Non, le beau gosse! Je vais vous décoincer. Non, mais ça va pas! La région est infestée d'Indiens. Vous allez dormir ici. Votre chambre est juste à côté de la mienne. Mon petit Melvin, je crois que tu as un ticket. Joe. Rentre vite, ça va être la pelle. Tout va bien, Samantha? Ça y est, demain je dîne avec lui. Et vous savez quoi? C'est nous quatre qui ferons le service. Vous bougez pas? Ça veut dire que c'est un bon moyen pour s'évader. Nous quatre, avec le Dirlo et sa fiancée. Et comment tu pourrais être les deux à la fois? J'y avais pas pensé. Elle est en retard. Ça veut dire qu'elle va venir. Ils sont combien là-dedans? Il y a un mystère là-dessous. Ah, Samantha, vous voilà. Eh bien, où est Joe? Vous savez, les grands voyous sont souvent très timides avec les dames. On sent que vous avez reçu une éducation des plus distinguées. Et si on allait faire une petite promenade? Une promenade clair de lune, vous et moi, seuls. N'y crainte, je suis armé. Oh,
Prends ton plan, mon vieux. T'es sur la bonne piste. Mince, la pluie. Manquait plus que ça. Oh, une étoile filante. Faites un feu. Le mien est fait. Le mien aussi. Les mains en l'air, Peabody. Samantha, mais que se passe-t-il? C'est que la mythique gêne. Ah, saleté de les mains, va blancher. Vite, on se fait la belle. Samantha, Samantha, revenez. Vous êtes une hors-la-loi. Je dirige un pénitencier. Qu'importe. L'amour sera plus fort. Et vous avez pas encore compris, je suis pas Samantha, je suis Joe. Joe Dalton et je suis un garçon. Et alors? Personne n'est parfait. Oh. Oh. Joe Dalton est une femme? On ne bouge plus! Allez, les Dalton, on rentre! T'as toujours eu un côté féminin, Joe! Tu sais ce qu'il dit, mon côté féminin? J'ai reçu vos bulletins trimestriels. Jack, gros progrès en cassage de cailloux. William, attention à l'entretien de boulet, tu peux mieux faire. Avrel, 18 en camaraderie, et bravo! Oh, mais toi, Joe, ton bulletin trimestriel, c'est n'importe quoi! Et alors, ça me rapporterait quoi de failloter? Des remises de peine. Grâce à sa conduite, Avrel n'a plus que 132 ans à tirer. Et toi, toujours 395. Ah bon? Et on peut avoir des très grosses remises de peine. On a vu des détenus libérés pour bonne conduite. Il y a bien un autre moyen. Si vous dénoncez vos camarades criminels, ça me ramonte gros. Mais pas un mot à Miss Petit. Elle trouve cette pratique immorale. Si on dénonce les copains, on risque pas d'être moins copains après? Autant se fâcher, comme ça on les regrettera pas quand on sera sortis. Ah ouais, pas bête. Allez, en chasse. Sournoiserie, hypocrisie et discrétion. Recycle pas les déchets. C'est bien. Ça vous fait, voyons voir, 37 secondes de remise de peine à partager. J'ai un tuyau en or. On a coincé Slam Joke qui écume les banques depuis des mois. Vous lui faites dire où il a caché son magot et là, c'est la très grosse remise. Jonathan, toi et moi, on est deux grands fauves du braquage. Jamais entendu parler. Tu veux ma part? Et la mienne? Et la mienne? Même Joe Dalton se fait des amis grâce à ce climat de confiance que nous avons installé entre les détenus. Bon, c'est un début. On va lui sauver la vie. Comme ça, il nous sera reconnaissant. Viens bon, Slam! Je viens te sauver... Mais t'es un malade, toi!
Yo! Je viens plus! Un serpent! Mais c'est quoi ça? De faire du mal à une pauvre bête qui t'a rien fait! Me te menu, toi! Ouais! Même si on n'a pas de résultat, nos efforts méritent une remise de peine! D'accord, Joe Dalton, et les informations que vous me rapportez sont un peu maigres. Pas d'info, pas de remise de peine. J'ai tout entendu, Monsieur Peabody, et je désapprouve totalement ce genre de méthode. Comme celle d'écouter Report? De toute façon, un type comme Slamjok ne se fera jamais d'amis. Alors, fin de l'expérience. J'ai une faveur à vous demander. Je peux dormir avec Avril? J'ai un peu peur des araignées. C'est insupportable! Avril, tu vas te fâcher avec lui et vite! Je croyais qu'il fallait sympathiser. Oui, bah maintenant, faut désympathiser. Oh, mais c'est pas possible, Joe. L'amitié, c'est sacré. Oh, mon sommeil aussi, il est sacré! Mon magot. Dans une tombe au cimetière de Rattlesnake Creek. Avec une croix, avec marqué Mago. On connaît la planque du Mago. L'affaire tient toujours. Allez-y. C'est très simple. Je peux pas. Ce Mago est là qui m'attend et je peux pas. Oh, ça t'a remise de peine. Moi, je sais où il est. Il est dans une tombe à Rattlesnake Creek. Slamjok me l'a dit à condition d'être muté dans un pénitencier sans araignée et sans Dalton. J'ai trouvé ses plans d'évasion dans leur cellule. Quoi? Qui a fait ces plans? Grosse remise de peine pour qui le dénoncera? C'est lui! C'est lui! C'est lui! C'est moi? Vivement dans 132 ans, que je sois enfin seul. Je vous vois plus! Vous êtes tout! Ah bon, c'est vous! On va où maintenant? À gauche! Tout droit! À gauche! T'étais à droite! Pas par là non plus! Viens, on a retrouvé le chemin. Comment voulez-vous qu'on les retrouve avec toutes ces galeries qu'on ne rebouge jamais? Le flair, Pete. Le flair. On veut débusquer des lapins? Vous avez frappé à la bonne porte. Il a une piste! La proie est
nous deux la place. Discrétion maximum. Bah quoi? T'avais dit discret. On est discret? Regardez! De la lumière! Oh, on est sauvés! Ils sont peut-être vénéneux, vous léchez pas les doigts. Moi, je trouve qu'ils ont l'air bons, hein. Vous avez mangé des champignons? Non. Si, vous avez mangé des champignons. Non. Tu râles. N'empêche que c'est bien pratique d'avoir les mains libres. Aïe! Pour la discrétion, bravo. Vous êtes faits! Des faux-faux! Des faux-faux! Ne faites pas les enfants, redescendez tout de suite. Vas-y. Toi d'abord. Et toi aussi. Non mais... C'est horripilant. C'est pas ma faute, j'ai le loquet. Évidemment, tu manges trop vite et n'importe quoi. Oui, mais nous au moins, on continue à éclairer. Hein? On dégage. Je n'aime pas ce silence. Pas de bruit, pas de lapin, tout va bien. Avril, lumière. Avril, c'est pas moi. Un trésor. Pas loin. On embarque ce qu'on peut et on file en silence. Tu entends? Les chaînes des fantômes. Les vrais Dalton. Ouais. Les gardiens. Aujourd'hui est un grand jour. Les petits hommes aux costumes d'abeilles ont rapporté aux bras cassés le trésor de leurs ancêtres, qu'ils ne savaient plus trop où ils l'avaient rangé. Merci. Oh, on rentre à la maison. Ça va faire du bien de se retrouver chez soi après toutes ces émotions, hein? Moi, je vais profiter un peu du grand air. Et maintenant, je ne demande qu'une chose, dormir pour oublier. J'y crois pas, il a remangé les champignons. Les Dalton, je vous présente notre nouveau pensionnaire, le célèbre magicien Butterfield. Quoi?
très spirituel. Mais faites bien attention, je vous ai à l'œil, monsieur le grand malin. Eh, moi aussi, je sais faire. Un caillou, un mouchoir, et hop, une caillou. Ah! Tout le monde sait que la magie, c'est bidon. Hop! Ah! Facile. Hein? Hé, t'as vu Joe? Il a fait disparaître ton plan. Je retire ce que j'ai dit. T'es très fort et tu vas nous aider à nous évader. Butterfield est en vacances. Il compte se reposer. Pourquoi ferait-il ça? Pour rester en vie. Bon, d'accord. Hop! Les secrets de la magie, c'est la diversion. Tout est dans l'art de détourner l'attention de ce qu'on est en train de faire. Ouais, et après? Comme je viens de le dire, c'est un art. Ok, j'ai pigé. Vous faites diversion et pendant ce temps, je fais disparaître les clés. On oublie le son. Tu vas nous faire le coup. On est dans la boîte. Hop, 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 on n'est plus là. Et pas dans ton loop. Je rêve en effet de vous voir disparaître. On va répéter avec le chien. Allez, hop, hop, hop. Fais de la magie maintenant. Ou tu préfères mourir? Ah, bon, bon, d'accord. Hop! Si c'est un jeu, il est stupide. Mais on y en joue quand vous voulez. Des saucisses! Oh, des saucisses! Quand ton plan revient ici! Mais pour vous faire disparaître, il me faut un public. Pas de magie sans public. La disparition des Dalton. Demandez le programme. Délicieux, du cacahuète salé. Les souvenirs, pins, t-shirts. Ça fait plaisir de voir les Dalton s'impliquer dans la vie du pénitencier. Allez, boudeur, au boulot. Calmez-vous. La magie demande une ambiance feutrée. Je suis feutré. Comment on peut bouger sans bouger? Par magie. Hop! C'est bon, on a été transféré. Oh! Vous m'avez rendu nerveux. Du coup, il a fait disparaître les pénitenciers. Allez, on fonce! Mais enfin, vous ne croyez tout de même pas qu'on peut faire disparaître des objets ou des gens? Tout ça n'est qu'illusion. Ok, alors tu vas faire croire aux gardes qu'on est devant eux. Et en fait, on sera dans leur dos, en train de se faire la belle. Mesdames et messieurs, devant vos yeux incrédules, il avait coupé les Dalton, non pas en 4, ni en 8, ni en 16, mais en petit morceau de Dalton. Mon Dieu! Et s'il les coupait vraiment en deux? Je doublerais le prix de leur pension. C'est bon ça, non? Hein? Je te préviens, si tu me coupes en deux, on sera deux à te faire la fête. Oh! Hop! C'est qui là-bas? Hop! C'est une illusion! Oh, papa! Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas toi l'illusion? Aïe! Ah non, c'est bien lui! Hop! Oh!
Là, je me pose quand même une question. Où sont les Dalton? Ben, ils sont dans la boîte. Et derrière, on a l'illusion qu'ils s'évadent. Je crois qu'on est repérés. On saute! Vite! On est libre, Jean! En matière de magie, rien n'égalera jamais la bêtise des Dalton. Monsieur le directeur, je me retire. S'il y a une chose que je ne peux pas faire disparaître, c'est la stupidité qui règne dans ces pénitenciers. Adios. Hey, qui c'est qui m'a mis en boîte? Tiens, salut collègue. Ça alors, un âne jardin géant? Mademoiselle Betty, réunion! Messieurs, un petit break. Un cadeau pour l'anniversaire de Lou Cinglet? Il faut un geste fort et symbolique. Diplomatitude avant tout. Et pourquoi pas un nouveau calumet? Il a arrêté de fumer. On pourrait raser les détenus et lui offrir leur scalp. Là, c'est vous qui nous rasez. Il aime les plumes. Je connais une danseuse qui pourrait nous en livrer. Non. Quelque chose de plus masculin. Un totem. Si on lui offrait un totem. C'est masculin, un totem. Pas mal, ça, un totem. Merci de vous en occuper. Ah, au fait, c'est pour demain. Le livrer à Lou Cinglet pour demain. 10 contre 1 qu'on n'y arrive pas. 20 contre 1. Enfin, fabriquer un totem en une journée, ça ne doit pas être sorcier, si j'ose dire. Aidez-moi, je suis un pot. Pour demain? Et c'est comme si c'était fait. Vous y connaissez un totem, Monsieur Joe? Vous plaisantez? J'ai fait 3 ans de totem à l'école. Je n'aime pas qu'on me regarde quand je crée. On peut se mettre dans ce hangar, là-bas. Oh, c'est bien, super! C'est vrai que t'as fait 3 ans de totem à l'école, Joe? Bah, on n'a jamais été à l'école. C'est un plan. Oula, joker! On va pas faire un totem. On fera le totem. Ça y est, c'est fini! Venez voir! Ah, bah, c'est résolument moderne. Ça me rappelle quelque chose, mais quoi? C'est vraiment laid. Monsieur Joe? Où êtes-vous, Monsieur Joe? Ils sont rentrés se coucher. Ils espèrent que ça nous plaise. Ça nous plaise beaucoup. Allez, on l'emballe et on le livre. Ça marche, ils ont rien vu. Aucun génie, Joe. Je me demande si c'est bon pour la peau, tout ça. Je me sens poté. Que ce cadeau soit le signe fort et symbolique de la cohabitationitude entre nos peuples. Bon anniversaire, étude. Ça change d'un nouveau calumet. On sent quand même une influence occidentale forte. Comme une relecture de l'art tribal. C'est vraiment laid. Mais c'est fort et symbolique, alors on le garde. Aussi, afin de célébrer ce jour comme il se doit, nous allons préparer une soirée comme la coutume l'exige. On attend la nuit pour filer. En attendant, restez immobile. Wow, un sucre d'orge géant. Ah, couchez le sale clébard. J'en peux plus. Il
s'arrête jamais. J'avais déjà droit à nuit. Faut tenir bon. Ils remettront jamais ça une quatrième nuit. C'est l'heure du traditionnel lancer de Tomahawks sur le totem. Hein? Quoi? C'est quoi cette tradition? Dispersion! Alors comme ça, vous vous intéressez à la culture indienne? Tiens, une piñata mexicaine. Avec plein de bonbons dedans. Je vais vous expliquer. Pas la peine. En fait d'anniversaire, je crois que ça va être votre fête. Enfermez-les. Ben, c'est une piñata, mais il n'y a pas de bonbons. Des bonbons. J'adore les bonbons. Pourquoi toujours moi? C'est quoi aujourd'hui? Médecine naturelle et prison à vie. Chouette! Personnellement, je vais piquer un petit roubillon. Monsieur Vray, vous avez ici des choses très intéressantes à nous montrer. Tout à fait, mademoiselle Betty. Voici l'herbe qui fait digérer, l'herbe qui fait rire, l'herbe qui sent bon, l'herbe qui fait dormir, et enfin, l'herbe qui... Attendez, attendez! Oh! Une herbe aux vertus narcoleptiques? Comme c'est ensorcelant! L'herbe qui fait dormir? Voilà un truc qui me réveille! Ça me rappelle un conte, une histoire de princesse à une voix dormant. J'ai un plan! Oula, joker! Je vais utiliser l'herbe indienne aux vertus narcoleptiques et narcolepter tout le pénitencier. Nous n'aurons plus qu'à nous évader pendant la narcoleption des gardiens. Rien compris. Pareil. On endort tout le monde et on se casse. Ça vous va comme ça? Avant tout, se fabriquer des masques à gaz. Génial, non? Je sais pas encore. Faut voir. C'est génial, mais je vois pas à quoi ça sert. Attention, pas. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai une de ces patates, moi. Allez, copain. Allez, bien joué. Allez. J'ai fait un
Mike. Pas moi. Moi non plus. Moi non plus. Ah. Hey, regardez, copain. Hey, oh, c'est drôle, hein. Regardez en tremblant. Je suis sûr qu'il essaie de nous dire quelque chose. Tu sais où est la clé? La clé, la clé. C'est l'île. C'est pas ton cabot. Copain. Avril, à l'avenir, garde tes réflexions pour toi. Allez, on cherche la clé. Elle est pas là, ni là. Où elle peut la mettre? Ah, tu l'as trouvé, Joe? Non. Hey, ça a l'air bon, ça. Avril, non. Mais quel boulet, celui-là. Bon, faut les fouiller. Qui s'y colle? On pourrait peut-être essayer de fouiller chez le directeur. La clé! Où est la clé? Ne va dire que la clé est dans le petit coffre dans l'aquarium. C'est tout, ne pas le dire. Hé, hey, copain! Bonjour, copain! Il va nous lâcher, celui-là! Ah, ça respire la liberté par ici. Hé, hey, la babale. La babale, je vous donne la papate. Alors, résultat du foot? Les Coyotes de Boston ont gagné contre les Chacals du Minnesota, non? Bah, ça n'a pas l'air d'aller, mes petits. Je ne sais pas si Vrai Faucon doit continuer les séminaires chez les visages pâles aux costumes rayés. Bon, ben, on les ramène. Hé, hey, copain, copain, revenez. Je ne sais pas t'attendre aujourd'hui. Vous devez être content que votre mère arrive de Chine pour vous aider, Ming Lifu. Ah oui, maman très gentille. Je ne suis hélas guère en état de l'accueillir. Lambago, plus problème. Maman très forte en médecine chinoise. Maman! Excellent. On va prendre la mère du blanchisseur en otage pour se faire la balle. Une vieille dame? Mais c'est immoral. Ouais, mais ça court pas vite.
Personne ne bouge ou je repasse la vieille. Oh, je repasse la dame. Mais tout petit. T'es la plus forte, ma. C'est pas vrai. Votre mère, elle a pris ma mère en traître. Mais c'est ma maman la plus forte. Elle fait le kung fu. Si tu veux savoir où j'ai enfermé ta mère, tu sais ce que t'as à faire. Chère madame, puis-je vous demander cette petite séance d'acupuncture? Maman dit qu'il faudrait plus de personnel en blanchisserie. Elle a vu 4 frères qui ont l'air très compétents. Oui, oui, faites comme vous voulez, mais piquez-moi, s'il vous plaît. Ah, merci. Ça sent bon, c'est des lasagnes, je parie. Bien. 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 C'est du travail de cochon, espèce d'incapable. Monsieur le garde. Chou. Bien fait. C'est le moment de faire parler la poudre. Qui t'a autorisé à te servir? Moi. En vrai? Oh non, ma, pas vrai, donne-le à moi. Non, ma, elle me l'a donné à moi. C'est moi, tu l'as eu. Tu l'as. Avec les Dalton, des fois, je me demande à quoi on sert. Il nous faut un plan. Et un bon, parce qu'il y en a marre de se taper la tête de crapaud du nabo mal poli. Vous vous calmez, vous deux. Joe, tu vas là-bas. Alors, qui a une idée? Moi. Avrel. On va traverser la rivière sous l'eau grâce à ces roseaux. Une autre idée? Nous, on en a une autre. Moi, j'ai une autre idée. Ne coupe pas la parole à tes frères, Joe. Jusqu'aux dents et je prends le pénitencier d'assaut. La dame va sans doute chercher ce fameux plat. Mais j'ai même pas pu dire mon idée. J'offre des spaghettis, mais j'adore les spaghettis. Voilà ma. Elle fait un drôle de bruit, vous ne trouvez pas? Cela doit être toutes ces aiguilles qu'elle transporte. Personne ne bouge. Venez, cette fois c'est gagné. Vends pas la peau du panda avant de l'avoir tassée! Maman! Tiens, tiens, la revoilà, elle! Ta mère, elle a aucune chance contre ma. Ma mère, elle fait le kung fu!
Sauf que là, c'est pas un concours de cuisine. Regarde, Joe! Depuis sa prison, Ma nous a envoyé des limes. Tu sais, Joe, si tu veux que tes vêtements te grattent plus, fais un effort. Excuse-toi auprès de Ming Li Fu. Un Dalton, ça s'excuse pas. Non, mais ça se gratte. Exactement. Pour nous évader, on doit avoir quelqu'un dans le pénitencier qui nous aide. Mais qui? Mais pourquoi elle nous aiderait? Mais parce qu'elle serait amoureuse! Exactement! Il faut la séduire. Ça va être dur. Je veux bien me sacrifier. Moi aussi! Moi aussi, alors? Non, non, pas question! C'est à moi de me sacrifier. J'ai des plus belles proportions que vous. Bonjour, les garçons! Mademoiselle Betty! Vous avez perdu votre mouchoir. Maintenant, montrons-lui que je suis un athlète. C'est pas grave, Joe. Au contraire, dans mon almanach, à comment séduire une pionnière, ils disent que si tu les fais rire, c'est bon. Puis-je soutenir l'anse de votre joli panier? Vous êtes très aimable. Je vous en prie. Je vous en prie. Elle n'est pas assez amoureuse. Il faut changer de stratégie. Ils disent que les femmes adorent les voyous. Ça les fait frissonner. Moi, je suis un voyou. Bon. Je dois taper sur qui d'autre pour la séduire? Les promenades. Écoutez, ce ne serait pas un troupeau de bisons qui charge? Promenade! Dis-lui quelque chose. Il faut lui parler d'elle, Joe. Lui faire des compliments. Prends-lui la main. Il m'abandonne. C'était une ruse pour me perdre dans le désert. Baisse pas les bras, Joe. Tu peux y arriver.
Mais c'est rien qu'un mauvais moment à passer, Joe. Pense que c'est pour s'évader, ça vaut le coup. C'est vrai, c'est pour l'évasion. Allez, dites-moi ce que je dois faire. Apprendre ça par cœur. Vos yeux sont comme des... framboises. Mais non, vos lèvres sont comme des framboises. Le bleu de vos yeux est aussi profond que... des framboises. Mais non, que l'océan, Joe. L'océan. C'est quand même pas la mer à boire, Joe. Vos lèvres sont aussi bleues que les framboises de vos yeux. Non, c'est quoi déjà? Mademoiselle Betty! Vos lèvres sont comme des lacs de montagne dans lesquels... Joe, vous croyez m'aimer, mais ce n'est qu'une illusion. Et puis moi, je ne vous aime pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai qui va pas? Ah! Je passais et j'ai vu. La grande blonde de Snob, fais-lui boire cet élixir. Entre un petit moche pas dégourdi, faut s'entraider. Oh, dis donc, c'est quelque chose. Oui? Mademoiselle Betty, puis-je vous offrir un cocktail? Merci! Délicieux! Un peu amer, mais délicieux. Ok, on s'embrasse et on s'évade, ou on s'évade direct? Mais vous êtes fous! Jamais je n'aurai ce genre de rapport avec un détenu! T'en fais pas, Joe. Il y a une femme pour toi dans ce monde. Oui, une toute petite, petite Madame Joe Dalton. Ouais, aussi moche et aussi pas dégourdi que toi. C'est beau, l'amour. Pas une jupe, mais un kilt. Il vient du sud-ouest de l'Écosse. Un œuf volant, c'est Park. Vous pouvez m'en dire plus sur votre curieuse activité? Il appelle cela le rugby. C'est un sport. Sportitude, j'aime, c'est sain. Le sport extériorise positivement l'agressivité. On pourrait organiser un match. J'invite les pontes de Washington. Notre pénitencier sera remarqué. Avantagitude. Nous allons organiser un match de sport. J'aime pas le sport. Plus précisément, de rugby. Ça vient d'Écosse. Monsieur McGlenn, ici présent, va nous en apprendre les rudiments. Remettre une jupe? Non, un maillot, qu'il va falloir mouiller. Et nous allons profiter de ce match de sport pour organiser une journée porte ouverte. Ah, là j'aime le sport. On joue leur match de bref, son sport écossais et on profite de la porte ouverte pour s'évader. S'évader? Si t'étais pas là, Joe, je me demande ce qu'on ferait. Au rugby, le ballon est ovale. Mon œuf, rendez-moi mon œuf. Au rugby, on se passe la balle à la main et en arrière. Exemple, toi le petit, attrape. Pas de problème, j'aime le sport, tout va très bien. Bon état d'esprit, petit. Comment tu t'appelles? Joe. Moi, c'est Marc Glenn. L'âme du rugby, c'est le plaquage. Tout est dans le plaquage. Explication. Oh. Allez, petit Joe, cours. Mon œuf. Attention, il va le casser. C'est un maladroit. Voilà, c'est ça le plaquage. Avec de l'impact. Ok. Bien compris, là. Pour moi, ils sont prêts.
Surtout le petit, là, Joe. Il y a un vrai potentiel. Parfait. Faisons ça dimanche. C'est bien dimanche, non? Ça devrait marcher, le sport, le dimanche. Surtout, n'oublie pas les fondamentaux. Rentre-leur dedans. Gentleman, mi viril. Ok, petit Joe? Ok, abnégation et combat. Faut me réexpliquer le plaquage, j'ai pas tout compris. Allez les petits, de l'impact, du combat. Montrez-leur ce que vous avez dans le ventre. Quand est-ce qu'on s'évade, Joe? Il y a des chevaux derrière la tribune. Dès qu'on peut, on saute dessus et à nous la liberté. Mon œuf! Mais laissez-le tranquille, cet œuf n'est pas à vous. Plus à gauche, tout droit, là, à gauche, plus vers la droite. Allez, on y va. Aïe. Où vous allez? Bah ça se voit, on s'évade. Pas question, le match n'est pas fini. Oui, il est fou celui-là, on s'enfile du match. On s'évade. Le rugby passe avant la liberté. Mais il m'énerve! Je vais te finir ton match, tu vas voir! Donne-moi cette balle, toi, ou je te mange une main! Tu es un vrai rugbyman. On est les champions. On est les champions. Oh, mon pauvre petit œuf, qu'est-ce que t'en fais, tu es tout mou. On est les champions. 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 C'est pas juste. Non, Monsieur Vrai Faucon va nous faire une démonstration de danse de la météo. Ce n'est pas sorcier. Pour faire plus chaud, on tourne vers la gauche. Chaud, wow, 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 chaud, wow, 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 chaud, wow, 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 chaud, wow, wow, wow. Et pour faire plus froid, on tourne vers la droite. Wow, 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 wow. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Tiens, un putois. Non, un écureuil. Et au milieu, t'en mitis. Aïe, 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 aïe. Les gars, on va profiter de ces conditions pour s'évader. Ah bon?
Bon, vous ne pouvez pas essayer d'arrêter toute cette neige? C'est un pénitencier tout de même. Attention, ça glisse. Ok, on réessayera demain. Fin de la récré. Ça fait des ordres, cet âne. Et voilà. Des cubes de neige, bonne idée. Ça tient beaucoup moins de place. Ah là, je dis bravo les enfants. Vous voyez quand vous voulez. Go! Et n'ayez pas peur, la neige amortira la chute. Nous retrouverons vite les Dalton. Ce sera une promenade de santé. Oh, une petite promenade. C'est bon, ils nous rattraperont plus. C'est beau toute cette neige. Et c'est pratique aussi. Ça dépend pour qui. Pourquoi diable a-t-on emmené ce chien puisqu'il y a des traces? C'est trop crevant, Joe. C'est le seul moyen d'effacer nos traces. Arrêtons-nous. De toute façon, ils vont être obligés de le faire aussi. Arrêtons-nous. De toute façon, ils vont être obligés de le faire aussi. C'est un temps à mourir de froid. Heureusement qu'on a une tente. C'est un temps à mourir de froid. Il faudrait construire un igloo. T'en fais pas un peu trop, Avril. Allez, on y va. La porte a gelé. On soulève. On pousse. C'est une belle trace, mais de quoi? Je crois que je suis guéri. Je vais faire une tentative. Chou, wow, 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 chou, wow, wow, chou. Oups, je me suis trompé de sens. Dis donc, il gèle d'un coup. On s'en fiche. Ah!
Bonus, tout le monde descend. Eh oui, les vacances de neige, c'est toujours trop court.